problème. Oh, bah, j'ai raté le début. Les dernières candidates de cette catégorie novice, notre cavalière s'appelle Aurélie Rousse et elle concourt avec son cheval prénommé Keno. Écoute-moi. Et ça, c'est pas pour toi, c'est pour Nina. Le pont suspendu passé avec succès, direction maintenant l'épreuve de l'obstacle de latéral, c'est-à-dire que le cheval doit se déplacer latéralement entre les barres comme tous les autres candidats. Ensuite ce sera les frites bien évidemment. Donc Aurélie concourt ce midi avec Keno, donc c'est son cheval à elle. Et comme elle nous l'avait dit, ce cheval, la meilleure définition pour lui, c'est un cœur énorme avec du poil autour. C'est un croisé Irish Cob de 13 ans sans papier, ami avec un palmarès sur son comme le bras, tellement il est polyvalent, nous avait dit Aurore. Il est donc cheval de trek de niveau national, cheval de performance western de niveau amateur, cheval d'extrême cowboy race et cheval de voyage au long cours depuis de longues années. Il a déjà traversé deux fois la France. C'est surtout le meilleur cheval qui m'emmènerait en bout du monde, nous avait dit Aurélie. Aurélie, quant à elle, a commencé l'équitation à 8 ans. Puis s'est tournée vers le CSO 2-3 ans plus tard. Son premier concours d'entraînement de CSO s'est passé sans faute. Elle a fini quatrième. Ensuite, elle a fini première ex aequo du championnat amateur CSO dans l'Essonne en 1996. Elle a 7 galops et elle est sortie en officiel CSO sur D4, D3 et D2 de l'époque 98-99. Elle est totalement novice en Extreme Race et nous avait dit qu'elle comptait beaucoup sur l'incroyable Keno. Elle vient de passer donc le dernier obstacle et a traversé donc les tonneaux jaunes.